Nos deux amis parlent de ce dernier épisode de C'est de la science, tandis que le dernier essaye d'escalader un arbre désespérément. Tiens, salut! J'ai besoin de planches de bois et donc de mesurer cet arbre! Mais j'arrive même pas à monter là-haut! Attends, tu vas tout de même pas monter là-haut! Mais comment le mesurer autrement, quoi? Vous savez, les gars, qu'on peut mesurer un arbre grâce à des bâtons. Mais j'allais dire! Oh, arrête de m'agresser! Bonjour et bienvenue à tous dans C'est de la science. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve une technique de bûcheron. En effet, cette technique consiste à mesurer un arbre grâce à deux bâtons. Nous allons tenter de mettre à l'épreuve cette technique en mesurant cet arbre. Pour que nos résultats soient les plus justes possibles, il nous faut deux bâtons. De même taille, il est conseillé d'être entre 20 et 30 cm. Ensuite, il faut former un angle droit avec les deux bâtons. Et pour finir, il faut mettre le premier bâton près de l'œil et avec le second, faire coïncider le bas et le haut de l'arbre. Il ne faut donc être ni trop près. C'est bon, je crois que j'y suis. Ni trop loin. Maintenant que toutes ces conditions sont remplies, la taille de l'arbre correspond à la distance qui nous en sépare. En partant du principe qu'un pas fait un mètre, nous allons compter le nombre de pas qui nous séparent de l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cet arbre fait à peu près 12 mètres, si on en croit nos bûcherons. Après de nombreuses tentatives pour mesurer l'arbre, en montant dedans par exemple, nous avons dû trouver un autre moyen. Pour cela, nous avons pris un mètre qui fait exactement 1 mètre. Nous avons compté le nombre de fois que l'on pouvait mettre cette distance sur la taille de l'arbre. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois, douze fois. Cet arbre fait 12 mètres. Et c'est exactement ce qu'on va trouver avec la technique de bûcheron. Nous pouvons dire que cette technique fonctionne. Mais comment est-ce possible? Alors c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est le théorème de Thalès qui nous permet de répondre à cette question, en nous disant qu'on forme deux triangles. D'après le théorème de Thalès, quand on aligne notre arbre à nos bâtons, nous formons deux triangles proportionnels. Pour comprendre mieux les calculs qui vont suivre, je vous propose de nommer les droites qui constituent ce schéma. Pour commencer, nous avons notre premier bâton que l'on va appeler B1. Nous avons aussi la hauteur de l'arbre que l'on va appeler H. Pour continuer, nous avons notre second bâton que l'on va appeler B2. Et pour finir, nous avons la distance qui nous sépare de l'arbre que l'on va appeler T. Le théorème de Thalès nous dit précisément que B2 sur T est égal à B1 sur H. Si l'on fait ensuite des produits en croix, on se rend compte que H est égal à D fois B1 sur B2. Et comme B1 et B2 sont égales, nous pouvons donc les supprimer de chaque côté de la fraction. Nous avons donc la hauteur H qui est égale à la distance D. Nous pouvons donc en déduire que la hauteur de l'arbre et la distance qui nous en sépare sont égales si l'on respecte toutes ces conditions. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre des j'aime et nous rejoindre sur sa page Facebook, C'est de la science. Et puis, n'oubliez pas, c'est de la science. Quel raté ! Oh ! Introduction, prise 1. Parle de je ne sais quoi. Genre en fait on est censé parler de... Oui, on doit ça. Parler des bâtons, des bâtons, des abonnés et aussi j'adore...